du billet, un rendez-vous à vos compagnies. Mais à Louis, c'est assez, comme moyen de sens et précise. Partout, on est aménagé, des installations à parler, par tous les dispositifs à entendre et enregistrer. Par tous les procédures pour observer, interroger et formuler. On le débute et on contraint à une existence discursive, alternative, singulière. Qui n'a que ça, chacun peut faire sa sexualité. Jusqu'au mécanisme nous dit qui dans l'arbre de l'économie, de l'économie, de la médecine, de la justice, ainsi qu'extré à ménage institutionnalisme de l'histoire du sexe. C'est une immense opportunité que notre civilisation a requis d'organiser. Peut-être qu'un type de société n'a jamais accumulé dans une histoire relativement si confusée quantité de discours sur le sexe. Et vous trouvez bien que nous parlions plus que toute autre chose que nous achons à cette table de nos convaincons, voir en défense scrupule. Que nous ne disons jamais assez, que nous sommes trop timides et heureux, que nous cachons l'aveuglante évidence par inertie et par soumission, et que l'essentiel nous échappe toujours. Qu'il faut encore partir à sa recherche sur le sexe, la plus intarissable, la plus impatiente des sociétés. Il se pourrait que cette soit la nôtre. Mais ce premier souverainement, il s'agit moins d'un discours sur le sexe que d'une multiplicité de discours, produit par tous les séries d'appareillages fonctionnant, dans les institutions différentes. Le moyen-âge, l'homme de l'autre du thème de la chair, et de la pratique de la pénitence. Un discours assez fortement médical, au lycée du siècle de sang. Cette relativité a été déposée. Distancé, c'est une société distincte.